Bonjour, je veux vous montrer l'intérieur de l'épicerie Seagulls dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le boulevard Saint-Laurent. Je disais que c'est l'épicerie la moins chère à Montréal et vous pouvez voir les prix ici. Il y a une grande section de fruits et légumes, très beau, très coloré, vraiment pas cher. Bon, ça c'est à la livre en tout cas. Ouais, le prix est à la livre, hein. On marche encore en livre, pas en kilo. Donc ça c'est les fruits et légumes. Puis je vais vous montrer un petit peu la morue séchée, qui est une spécialité portugaise. Ça c'est les bines, pois jaunes cassés, fèves de marais, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est bizarre. Le riz jaune, je pense que c'est du riz étuvé. Donc c'est dans des grosses poubelles en fait, mais c'est super pas cher. Il y en a plein d'autres ici. Pois verts. Donc c'est super pour les végétariens parce qu'il y a beaucoup de produits vraiment pas chers, entre autres pour les végétariens. Ça, je pense que c'est des produits naturels, beaucoup moins chers qu'ailleurs à Montréal. Des champignons séchés. Et voilà, ça c'est la fameuse morue séchée. Séchée salée, c'est vraiment une spécialité portugaise. J'ai jamais essayé en fait. Et ça, c'est l'entrée des produits. Et voilà, ça, c'est les produits bio. La marque Prana, du riz. Donc, si vous êtes à Montréal, c'est une des épiceries les moins chères. Ça fait très, très longtemps que c'est ici. Vous voyez que c'est pas particulièrement neuf ou beau, mais il y a beaucoup de choix et c'est pas cher. Les beurres de noix. Il y a aussi des produits de beauté naturelle. Là. La pâte à dents, c'est combien? Wow! 4,59 $. Ailleurs au Québec, c'est maintenant peut-être 6 ou 7 piastres le type de pâte à dents. Green Beaver, c'est une compagnie canadienne, c'est bien cool. Donc voilà, c'est l'épicerie Seagulls sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Salut!